Bonjour. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne. Il s'appelle tout simplement Petronil. C'est comme le pétrole. Il ressemble au pétrole. Quelqu'un de très, très, très élégant, chic. Je vous dis, l'élégance s'appelle Petronil. Vous avez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Et quand je dis tout à l'heure, ça veut dire que me voici. Bonjour. Merci. Oh, tu as tout décalé. Élégant. Oh là là. Oh, merci. Comment tu vas? Me voici enfin chez toi pour découvrir alors la galerie d'Ali Baba, c'est-à-dire la caverne d'Ali Baba sûrement. J'imagine toutes les belles choses qu'il peut y avoir là-dedans. On verra bien. Je te renouvelle encore la bienvenue ici. Élégante demeure comme son propriétaire. Merci. Alors dis-moi, ton dressing, qu'est-ce qu'on trouve dans ton dressing? Oh, je pense qu'on trouve un peu de tout. Comme je suis un homme d'un certain âge, avec un certain nombre de responsabilités, donc oui. Je m'habille beaucoup plus, comme les anglo-saxons disent, formal dress. Donc, formal on trouvera beaucoup de costumes, de blazers, mais on trouvera aussi le jean, le t-shirt, la casquette, tennis, on trouve tout ça. Parce que, en fait, moi, je m'habille en fonction de là où je vais. Oui. Je n'irai pas à un pique-nique avec un costard, trois pièces, non, cela ne se fait pas. Oui. Donc, je viendrai comme tout le monde avec une paire de baskets, un jean, peut-être un blouson pour prévoir que le temps pourrait changer. Et j'imagine tout ça dans l'élégance et la classe, oh, comme ce que je vois actuellement. Vous savez, on ne se met pas à la fenêtre et puis on se voit passer. Donc, moi je fais, j'estime que je me sens bien. Oui. Maintenant, c'est à vous de dire si c'est bien ou pas. Je reconnais que j'aime soigner ma présentation, c'est normal. Je crois que le plus grand amour, c'est s'aimer d'abord soi-même. Donc, je soigne mon image et c'est peut-être ça que vous appelez l'élégance. Non, non, c'est l'élégance chic. Hein. Alors, du chapeau à la chaussure, rien à redire. Un sans faute. Aujourd'hui, oui? J'avais un rendez-vous avec une personnalité, donc oui? Je devais m'habiller de façon classique. Oui? C'est pour ça que bon, j'ai un costume cravate, un costume de pièce. Et je vois la cravate rouge pour ressortir. Oui, parce que l'habillement classique de l'homme oui. est un peu triste. Donc la seule façon de lui apporter une note de gaieté, c'est à travers une cravate ou des chaussettes. Oui, donc ça, c'est pour ça que j'ai mis cette cravate qui a... Elle est très belle. Oui, pour mettre un peu de... Des peps, des gaietés. Un peu de gaieté, voilà. Demain, j'appelle tout ça le Pepsi. Oui, ouais, c'est ça. Si on te demande, tu as quel style? Style anglais, américain, sartorial, businessman, streetwear. Oui, streetwear, moi, bon, ça m'arrive aussi. Hein, ah bon? Non, mais... Donc tout à l'heure, là, on verra un petit look. Bien sûr, vous pouvez... Le pantalon ne sera pas complètement déchiqueté, mais... Il y aura quand même une note de légèreté, voilà. Oui. Je préfère dire comme ça. Moi, c'est en fonction de... des événements, de l'environnement. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'avais un rendez-vous formel dont il fallait que je me mette quand même de façon tout à fait formelle aussi. Oui. Bon, si ça avait même été un rendez-vous peut-être de fête, j'aurais mis pas des chaussettes sombres. Oui. J'aurais encore mis un peu plus de fantaisie. L'habillement classique de l'homme est
austère, voilà. Il est un peu austère, donc c'est à chacun de savoir y apporter une petite note de gaieté. Ah, ça c'est vrai. Là, il y a une petite note de gaieté avec toute l'élégance qu'il faut. Donc, lorsque si tu partais à une fête, tu allais apporter encore un peu plus. Oui, bon, si j'allais à une cérémonie joyeuse, oui, j'allais mettre un tout petit peu de fantaisie. Je pouvais me permettre encore un peu plus de fantaisie. Mm. Bon, là, c'était un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de travail. Donc, il faut être le plus correct possible. Je ne suis pas la mode. Je suis pas la mode. Oui, non. Je suis pas la mode. Je suis pas esclave de la mode. Oui. Cela ne veut pas dire que j'ai pas un coup d'œil vers. Oui, oui. Mais je ne suis pas un esclave de la mode. Oui. Ce que la mode peut apporter de temps en temps de gai, de léger. Oui, je prends, mais je reste quand même très très classique, un peu british. Est-ce qu'il t'est arrivé de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire de porter des choses que tu n'as pas l'habitude, peut-être des boubous par exemple? Je voudrais aussi un peu commencer à mettre ces tenues parce que j'ai vu de plus en plus, je ne sais pas comment on appelle ces tenues, c'est quand même des boubous pas encombrants. Oui. Et ça, ça commence à me titiller. Des petits boubous simples avec le pantalon, oui, là, oui, brodé légèrement. Oui, oui, oui. Je oui, vois un peu le oui, style. Oui, j'y pense de plus oui, en ça plus. Pourrait, Non, je vais m'y mettre. C'est, d'autant plus que c'est une tenue, c'est notre part d'africanité que nous apportons à oui, ce mouvement aussi global qui est la mondialisation. Quand une personne est bien habillée, est-ce que ça porte une confiance? Ça te redonne encore une confiance en soi? Oui, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tromper les gens. Oui, quand vous êtes bien habillé, comme on dit oui, de façon prosaïque, vous vous sentez. Donc, il y a une certaine assurance que ça vous donne. Mm-hmm. Ça ajoute quelque chose dans l'assurance. Bon, c'est vrai que... Il y a quand même un stade aussi, il y a des personnes qui, à elles toutes seules, n'ont pas besoin de ces artifices pour... Je prendrais quelqu'un comme Nelson Mandela au soir de sa vie. Là, en costard, ça ne lui ajoutait aucune valeur. Oui, il avait déjà tout ça. Lui, son aura était suffisant pour ça s'imposer à tout le monde. Si bien que au soir de sa vie, il ne mettait plus de costume, mais il s'habillait avec des chemises africaines. Il avait découvert un tailleur, un bon tailleur sénégalais qui lui faisait ces chemises-là et qui lui allait très bien. Mm-hmm. Donc. Bon, mais je ne suis pas Nelson Mandela. Et le fashion faux pas. Oui, ça arrive à tout le monde, je pense. Bon, mais moi, j'ai la chance que j'ai une épouse qui est assez regardante. Oui. Donc, si elle estime que c'est, ça déconne un tout petit peu, elle attire très vite mon attention. Dans le choix, pour ne pas être... embarrassé, généralement, je ne l'amène pas. Bon, cependant, quand je sors, quand je m'habille, oui, elle a son mot à dire. Oui. Surtout quand nous sortons ensemble, je dois m'habiller à sa convenance aussi. Mais dans le choix des vêtements, en général, je m'arrange à aller les choisir tout seul. Tu lis les magazines de mode, homme? De mode, je me cultive, donc il faut pas se distancer. Donc, je lis, je ne vais pas dire non. Et oui, je les consulte de temps en temps. Dans Beautiful You, nous avons la minute de l'expert. C'est l'expert qui va donner un conseil sur le vêtement, sur la chaussure, sur la coiffure, sur les soins. La minute de l'expert. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement de chapeaux hommes, de chapeaux monsieur. Vous pouvez remarquer que ces chapeaux ont des formes et des modèles différents et chaque modèle appartient à un groupe
bien précis. Et je vais commencer par parler des chapeaux mélan. Voilà, c'est ça qu'on appelle un chapeau mélan, comme vous voyez là. C'est un chapeau assez arrondi et dont le rebord n'est pas si très large. C'est ça le chapeau mélan. Ça se porte normalement avec des costumes parfois croisés, des costumes trois pièces, des costumes de soirée, des costumes de sortie officielle. Ça s'y est très bien avec cette coupe de veste. Maintenant, il y a le chapeau trilby. Nous appelons ça des chapeaux trilby. C'est des chapeaux monsieur, mais qui sont pour des week-ends. C'est assez simple dans sa conception et très fashion, comme on dit souvent. Donc, vous voyez, on l'a mis sur un costume, sur un veston. Ça, c'est un veston. Enfin, ça se porte pour des détentes, pour des week-ends, pour des sorties de balade. Ce chapeau-ci, on l'appelle chapeau Panama. Il est un peu à l'instar des bobs, mais pas avec les bords relâchés qui tombent. Or, chez les bobs, c'est remonté. On le met d'habitude avec des blazers qui se portent sur des pantalons monsieur, sur des pantalons simples, de tissu simple, de tissu carrelé ou si vous voulez à ton. Si vous voulez faire plus chic et plus responsable, un chapeau Panama. Il y a un autre style de chapeau, ça c'est le Borsalino. Vous voyez les plus larges, un peu remonté sur le bord. C'est ça le chapeau par excellence des costumes simples. Costume à deux pièces, comme vous voyez qu'on a mis sur ce costume. Des chapeaux pour faire classe et pour faire glamour. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure du chapeau Panama. C'est un chapeau Panama. Il se porte également sur des costumes simples. Ça dépend de l'âge de la personne. Les Panama sont plus mûrs, un peu de gens un peu plus âgés. Vous avez vu comment ce Borsalino est placé sur un costume de couleur claire qui va évidemment avec des chaussures un peu comme une derby comme celle-ci. Vous voyez, c'est très assorti avec son chapeau. Ça a été une composition bien faite. C'est pas été fait au hasard. Merci bien et j'espère à très bientôt pour une prochaine édition. Tu as vu tout à l'heure là, il y en avait personne qui vous a donné des petits conseils assez judicieux. Alors dis-moi, quand on est bien habillé là, ça change la façon de marcher, la façon de se tenir, la façon même de parler ou la façon de... je sais pas. Quand vous, les dames, vous êtes perchées sur 12 cm de talons, vous ne pouvez pas marcher comme quand vous portez des baskets. Belle remarque. Oui, il en est de même pour les hommes. Leurs talons ne sont pas hauts, mais... c'est quand même une petite hauteur qu'on ajoute. Oui. Donc, on ne peut pas marcher de la même façon. Ça a forcément un impact dans la façon de marcher. La meilleure chaussure avec laquelle on marche, ce sont des baskets. Une fois qu'on a changé, il faut s'adapter un tout petit peu. Donc, ça joue sur la démarche. Moi, je vais te montrer ma démarche, hein. Peut-être toi, je vais montrer la tienne. Je ne sais pas, c'est vrai que je fais les chaussures hautes, par exemple, à marcher. Ça, c'est sûr, quand je marche, peut-être je vais à un événement. Ça, c'est vrai ce que tu as dit. Tu veux voir la façon dont tu marches, mais c'est toujours la même démarche. Moi, je vais marcher et peut-être vous allez me dire comment je marche. Je marche comme ça. Elle démarche élégante et classe. C'est une démarche simple. C'est la même démarche de tous les jours ou bien quand tu es bien mis là comme maintenant? Non, je pense que c'est la même démarche. Ça veut dire que c'est dans toi tout ça. J'espère. En tout cas, moi j'ai vu la démarche. Et moi, les femmes continuent à porter ces jolis talons. Merci. Parce que ça donne... ça ajoute quelque chose dans votre mise vestimentaire. Les chaussures hautes, ça rajoute quelque chose. Oui, une élégance singulière. Vous êtes très très bien habillée. Merci beaucoup. Et quand on parle de femme, là, quel style vestimentaire aimes-tu voir chez la femme? Une femme, quand elle va aller au bureau, il y a un style vestimentaire qui s'impose à elle. Quand elle va à une soirée, bon, pour aller au bureau, c'est normal qu'elle porte une robe. En fait, il y a des femmes qui aiment s'habiller streetwear.
toujours tennis, basket, pieds nus. Et les femmes qui aiment s'habiller de manière élégante, talons, robe, même si c'est un tabac, elle porte ses talons. Non, une femme qui adopterait un style essentiellement streetwear est à côté de la plaque. Oui, parce que il y a des milieux dans lesquels vous ne pouvez pas arriver avec ce genre de, d'habillement. Ouais. Vous allez un peu paraître complètement déconnecté. Donc, une femme doit tout avoir dans sa garde-robe, dès la robe de soirée au bikini pour la plage. Ah, ça c'est très vrai. Ouais. Ça c'est très vrai. Une femme normale doit avoir tout ça. Oui, une femme doit avoir tout ça. Il en est de même pour l'homme. Bon, toi tu as quand même plus. Peut-être tu as plus de chaussures, monsieur, tu as plus de baskets, tu as plus de... Oui, j'ai plus de chaussures de ville parce que ce que je fais dans la vie... Le boulot, oui, impose que je sois correct au quotidien. Oui. Bon, maintenant, si j'étais maçon, j'aurais beaucoup plus de chaussures de chantier, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et Petronille jeune, il était comment? Toujours fashion mode. Quand on est jeune... On est habillé par ses parents. Oui. On n'a pas beaucoup de choix. Peut-être des enfants d'aujourd'hui et ils ont un mot à redire. Non, oui. Nous, on vous achetait une culotte et puis qu'elle vous plaise ou non, vous deviez la mettre. Bon, aujourd'hui, et quand on devient adolescent, qu'on a une personnalité qui commence à s'affermir, et bien sûr à ce moment, il y a une période où on est un homme masse, je crois que tout le monde passe par là. Un homme masse, ça veut dire que vous faites ce que tout le monde fait. Oui. Tout le monde fait des dreadlocks, vous les faites aussi. Si, oui, oui. Tout le monde, mais si vous mettez. Oui. À un moment, votre personnalité va commencer à se singulariser. Mm-hmm. À ce moment-là, vous savez très précisément ce que vous voulez. Et moi, je suis passé par l'université et là-bas, on nous disait qu'il fallait. Avoir une tenue, apprendre à se mettre correctement, et ça me convenait. Oui. Et moi, ça me plaisait. Donc, à partir de ce moment, j'ai compris que mon style serait vraiment celui-là. Tu es accessoire, je vois, tu portes. On appelle ces genre de chapeau comment? Un borsalino. Un borsalino. Un borsalino. Borsalino. Voilà. Enfin, j'ai le nom. Oui. Un borsalino. Tu aimes beaucoup les chapeaux? Oui, je pense. Quand on est à l'école primaire même déjà, on nous dit que le corps humain a trois parties, oui. La tête, le tronc et les membres. Oui. D'où vient-il qu'on recouvre toutes les autres parties sans couvrir la première des parties qu'on cite. Donc, oh, ça, oui, franchement, il fallait ça. Oui, oui, habillons aussi la tête. Habillons la tête. Oui, donc moi j'aime bien. Le borsalino. J'aime bien j'aime les borsalinos, oui. J'aime les casquettes, oui. J'aime aussi ce style de chapeau que en fait c'est un béret, mais qu'ici on appelle dinabelle. Ah oui, oui, les dinabelles, je vois, les bérets, oui. Dinabelles. Ouais. La canne, oui, la pipe, pas encore, mais quand on est dans une soirée un peu glamour, un peu... Et le cigare? Oui, je peux prendre un cigare juste pour se frimer un tout petit peu. Bon, puisque je ne l'allumerai jamais, je ne suis pas une cigarette. Donc, oui, parce que j'aime les accessoires, effectivement. Dans l'habillement de l'homme, on n'a pas beaucoup d'accessoires comme les femmes. Ça, c'est, oui, c'est vrai. Vous devez savoir que, de façon classique, les seuls bijoux qu'un homme peut porter, c'est... sa chevalière, oui. Et la barrette de la cravate qu'on met de moins en moins aujourd'hui. Oui. Comme c'est quand même un peu maigre, oui. Et que on veut mettre, on va se choisir une belle montre. Elle est belle, hein? Elle est très très belle, j'adore vraiment. Merci. Très raffinée, d'une élégance. Donc on va ajouter une pochette, pour relever un tout petit peu son habillement. Et quand on a le courage, on met un chapeau sur la tête. On sur couvre, la tête, un chapeau aussi. Un couvre-chef. Un couvre-chef. Voilà. Alors, tu as tous les thèmes d'une personne qui connaît l'habillement. Dis-moi alors, moi, c'est la partie qui m'intéresse plus. Tabac, poivre, sel. Comment est-ce que tu l'entretiens? Tu as les soins que tu fais à la maison? Parce qu'elle est toujours nickel. C'est pas si un poil dépasse l'autre.
Oh, je vais peut-être te décevoir en te disant que il n'y a pas. Je ne mets pas de produits. Bon, non, il n'y a pas de produits que je mette sur la barbe. J'ai la chance d'avoir une barbe pleine, déjà. Donc, la seule chose que je fais, c'est de la tailler régulièrement pour qu'elle soit maintenue au même niveau. Et puis, de dessiner un tout petit peu les contours, arranger un tout petit peu les contours. Elle a blanchi naturellement, précocement, malheureusement pour moi, parce que... Mais heureusement pour les yeux, nos yeux, parce qu'elle est très belle. Hein? Merci. Donc, elle a blanchi naturellement, et puis, bon, je la garde comme ça. Il n'y a pas un soin particulier. Je pense, pour ce qui est des soins, que ce soit de peau, de cheveux... Le secret, c'est l'alimentation. Au lieu de mettre... beaucoup de shampoing, avec plein de produits. Avec plein de produits qui sont... généralement, qui sont de l'alimentation. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Au beurre de karité, à l'avocat, à l'huile d'olive. Oui. Non, ne mettez pas ça sur la peau. Mangez plutôt le beurre de karité, mangez l'huile d'olive, mangez l'avocat. Merci, et vous aurez de beaux cheveux, vous aurez une belle peau. C'est très pertinent, ça. Oui, c'est ce que je fais. Ça travaille de l'intérieur. Oui, vous mangez tout ça, vous aurez une belle peau comme la vôtre. Merci. Comme vos beaux cheveux aussi. Ah, merci. Dis-moi, tu es tellement bien chaussée et ta ceinture, alors là? Si je peux être curieuse, tu portes quoi? Ça impose. Oui, bon, la chaussure, je ne vais pas donner la marque parce que je ne ferai pas la publicité gratuitement. Non, mais il m'a dit à l'oreille, hein, je vais vous souffler Oui. C'est une peau. Ouais. C'est une anglaise, une américaine, une italienne, une française? C'est une chaussure française. Oui. C'est une chaussure en peau. Non, elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc, elle est belle, Rachid. Je l'ai mise et comme elle est en peau, j'ai mis une ceinture. Oui, j'ai remarqué. Tu peux toucher? C'est la ceinture. La ceinture, oui, elle a aussi en peau. Vous voyez. J'ai remarqué, j'ai revu ça. La chaussure, c'est une Richelieu. Uh-huh. Oui, c'est le style. C'est le style Richelieu, Le style Richelieu, ce n'est pas la marque. Non, mais elle est super belle. J'imagine qu'elle doit en avoir plein. Elle doit être beaucoup dans le dressing. Oui, on pourrait aller à mon dressing. Oui, ça, franchement, qui va nous suivre. Et qu'est-ce qu'on fait pour garder, pour conserver ce genre de chaussures? Oui, voilà. Vraiment, c'est très important. La chaussure, c'est une peau dont, comme toutes les peaux, il faut la nourrir. Oui. Malheureusement, elle est déjà inerte, donc on ne la nourrira pas par la bouche. Oui. Il y a un entretien particulier, donc moi j'ai quelqu'un qui est spécialisé pour entretenir tout type de cuir. Entretenez vos chaussures, monsieur, parce qu'elles sont faites de peau. Oui. Des peaux avant qui étaient vivantes, maintenant elles sont des peaux mortes. Mais il faut continuer à leur donner une vie. Et pour les garder à la maison, on fait comment? On les conserve dans des sacs? On fait comment? Ça se passe comment? Bon, on peut les garder dans un endroit qui est de temps en temps, qui est quand même aéré. Sinon, ici chez nous, comme il y a beaucoup d'humidité. Et elles vont prendre de la moisissure. Donc, vous avez dans votre dressing un endroit où vous classez vos chaussures. Et il faut que cet endroit soit quand même... Dans des sacs à chaussures ou bien à l'air libre? Oui, vous pouvez les mettre dans des sacs. Mmh. Et ta plus grosse folie vestimentaire, c'est quoi? C'est plutôt sur des montres que j'ai... Et le prix aussi restait secret, tu as dit ça tout à l'heure. Oui, je dirais, parce que... C'est à 6 chiffres, à 6-0, à 3-0, à 6-0, c'est ça? Non, je fais pas, je suis pas extravagant. Oui. Je reste quand même mesuré. Je crois qu'on va aller jeter un coup d'œil dans le dressing. Oui. On y va? On redescend. Waouh!
Alors, je suis revenu. J'ai seulement envie de dire Beautiful You, c'est fini, c'est au revoir, basta, lui et moi, on va se balader là. Non, je suis revenu parce que tout à l'heure, je vais vous prier de partager un verre dans les jardins avec moi. Merci. Donc, il fallait que j'aie une tenue qui aille avec cet aspect décontracté. J'adore le borsalino. Ouais. Alors ça, c'est top, ça va. C'est la tenue d'avant, c'est celle de maintenant. Je sais même donc, plus. On essaye de s'adapter. Je vous ai dit en fonction de... Là, on va aller au jardin. Oui. Donc, j'ai mis une tenue pour le pique-nique. Est-ce que tu peux agencer d'autres chapeaux? Oui, bien sûr. Sans être très léger, oui, on peut ajouter une petite note. Bien sûr, ok. Directement, ça a donné un autre style. Non, je reviens avec cette tenue, je peux quand même vous accompagner au ministère. On ne va pas nous chasser. Non, du tout. Oui, bon. Ça fait... Avec le t-shirt près du corps, tout simplement, ça faisait un peu léger. C'était voulu. Bon, maintenant. La couleur du borsalino aussi. Oui, ça a changé. Oui, maintenant, ça c'est plus. Ça va avec les couleurs de la veste. Oh là là. C'est une veste d'été en lin. Mais il faudra donner conseils vestimentaires aussi. Oui, je suis un coach en. Conseil vestimentaire. Oui, oui. Ok. Pour un conseil vestimentaire. Ouais. Petronil, il est ouvert, il n'y a pas de problème, oui. Vous m'appelez, vous aurez ses conseils directs et tout. Bon, comme tu es tellement mes amis, ça me donne envie de danser avec toi. Franchement, c'est les hommes qui aiment danser avec les, qui veulent danser avec les femmes, et moi, d'habitude, il faut laisser moi qui veux danser. Ouais, s'il y a de la musique, on n'a qu'à mettre quelque chose. Si no estás conmigo, despacito, quiero respirarme a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Hey. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar dos gritos. Est fini, ouais.